fraîchement arrivé à Genève après des championnats du monde à Buffalo. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a su montrer comment on jouait. Je suis très fier de l'équipe. Et non seulement vous avez réussi à vous maintenir, mais vous êtes presque passé. Finalement, c'est une histoire de différence de but parce que vous étiez à égalité. Ouais, c'était un peu de la malchance, mais deux victoires en tour de premier tour, c'est incroyable, ça n'a jamais été fait. L'année prochaine, on est en quart de finale, ça c'est clair. Allez. Quel était pour toi le meilleur moment? J'imagine la victoire contre la Finlande, ça devait être assez spécial. Ouais, c'est clair, surtout que c'était un match très dur physiquement parce qu'on n'avait jamais vraiment joué à une vitesse comme ça. Et le fait qu'on ait su montrer qui on était dès le départ, dès la première minute, c'était incroyable. Et aussi, j'ai su marquer un but ce match-là, donc j'étais très fier de moi aussi. On a senti aussi, enfin on le voit là, une bonne cohésion entre vous toutes, que vous soyez de Suisse-Helmanique ou d'ici. Ouais, quand tu passes 3 semaines plus avec une équipe, c'est clair que c'est ta deuxième famille. Puis c'est des filles superbes et malheureusement, 5-6 d'entre elles, elles partent là, cette année parce qu'elles sont trop vieilles maintenant. On va continuer à bien progresser comme ça. La relève est assurée. Ah, ça c'est clair. C'est magnifique de pouvoir accueillir une équipe nationale ici à Genève. Il y a deux aéroports principaux en Suisse et je pense que la grande majorité du temps c'est à Zurich, donc ils vont profiter. Il y a une équipe nationale qui est ici. En plus, on essaye de promouvoir le hockey féminin, le sport féminin et c'est magnifique de voir ces filles revenir ici à Genève. Très fier des filles et puis vous avez raison, on était à égalité à 6 points et ces deux petits goals qu'on a reçus qui ont changé tout. Mais je crois que les filles ont montré beaucoup de courage et beaucoup de caractère en battant le Japon 2 fois de suite. Et puis comme ça, ils ont sûr de pouvoir aller à St. Catharines l'année prochaine et de jouer en Top Division. Nous sommes très honorés de pouvoir accueillir cette équipe suisse à Genève Aéroport, bien entendu, et que ça nous fait extrêmement plaisir. Et Genève Aéroport est très impliqué dans le sport, que ce soit hockey, jeunes... Tout à fait, nous sommes partenaires de ces équipes et nous sommes aussi fiers de l'être. On veut remercier l'aéroport de Genève pour notre partenariat ensemble. L'aéroport soutient beaucoup le sport à Genève et Genève Servette Hockey Club et c'est magnifique d'avoir leur soutien pour cette initiative pour bien recevoir ces filles qui reviennent d'un long voyage et surtout un long tournoi. Merci à tout le monde pour cette expérience et c'est ça.